s'en va. La marche arrière, c'est que tu dis au revoir à tes parents. Au revoir. Oui. Maman. Même ça bien. Va. Il va me manquer. C'est mon hein. Amoureux, maman. C'est ton amoureux, maman. Bah, toi, tu es mon amoureux. Ah, tu sais, on rentre très bientôt. Ah, c'est mon coquillage. On part que deux dodo, d'accord? Ah, c'est mon coquillage. On s'en fout complètement. Gros bisous. Ah, c'est mon coquillage. Tu vas bien t'amuser avec Nanny Dan. Ah, c'est mon coquillage. Mais il est beau ton maquillage. Quoi, bisous. Bisous, bébé. Mon gros câlin. Gros câlin. Je t'aime, je t'aime. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est parti pour une nouvelle aventure. On vient de quitter notre poupinette. Il est 10h. Ça va papa? Ça va. Et du coup on va prendre l'avion, on descend à l'aéroport direction Lyon. On est content, nouvelle aventure. Ouais. Je me suis levée à 6h. On n'a pas arrêté une seule seconde jusqu'à 10h. Ouais, c'est vrai. Ouais, trop de trucs à faire ce matin. Mais on a réussi. Franchement, il y a encore 10 minutes, j'étais encore en pyjama. J'étais maquillée, mais en pyjama. Et c'est bon, c'est fait. Parti. On est dans l'avion et on est avec notre pote. André, on est tombé dessus. Il va à New York. Nous, on va dans le Beaujolais, lui, il va à New York. On n'a pas le même niveau. Du coup, bon, en même temps il est médecin, c'est normal. Bon, voilà, c'est parti pour une heure de vol. Bon, j'ai pris une box végétarienne. Pringles, Sprite Zero. Ah ouais, dépressurisation. Bon, on vient d'arriver. C'est trop trop chou. Trop mignon cet hôtel. Je vous ferai un room tour ce soir et je vous montrerai l'hôtel demain parce que là on repart directement. On est un peu en retard, on va directement dans un domaine pour une dégustation de vin. Apparemment, les couleurs sont magnifiques. T'es content? Oui, je suis très content. Ouais, c'est vraiment très mignon, franchement, beaucoup de charme. Et on est à Blacé, c'est ça. Bon, on fait notre première visite de vignoble, des petits vignerons. C'est super beau avec les couleurs d'automne, là, c'est magnifique, c'est ouf. Je sais pas si vous voyez bien, mais franchement, c'est vraiment très très beau. Donc on va aller goûter du vin, là je crois, hein. Faire une dégustation de vin. Ça va être sous le signe de l'alcoolisme. Tant mieux. Ça va faire du bien, on n'a pas l'appétit. L'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Ouais, sauf quand ça me concerne. N'importe quoi. En plus, c'est pas vrai, il boit pas. Non, enfin, c'est vrai. Il boit mais pas beaucoup. Non, mais par contre, je vais profiter de déguster. Oui, tu vas aller déguster. Bah, oui. Moi, je suis pas trop rouge. Je vais pas encore oser leur dire. Donc, je crois que je vous l'ai dit, hein, mais on a été invité par l'office du tourisme du Beaujolais et du Rhône. Pour découvrir la région du Beaujolais qui se situe juste au-dessus de Lyon. Parce que ça, il n'y a pas tout le monde qui le sait, et nous on ne le savait pas forcément. Donc voilà, on est là pour découvrir et c'est la meilleure période parce que c'est là où il y a les plus belles couleurs quoi. Et on va nous faire plein d'activités, plein de trucs en Beaujolais. Donc ça va être un week-end, il va y avoir plein de trucs, ça va être super sympa. Et l'hôtel est trop mignon, il y a un spa et ils ont prévu des massages, des trucs, donc c'est cool. J'essaie de rester en vie par contre. Bon, ça y est, on arrive au resto pour manger. On est dans un resto très très mignon qui fait bistrot, vraiment bistrot à l'ancienne, typique français. Mais Nico vous montrera tout ça plus amplement dans son vlog qui sera en ligne sûrement d'ailleurs demain je pense. C'était super bien, le vignoble c'était super agréable. Ouais, c'était vraiment bien. Le vin était très bon d'ailleurs, moi qui ne bois pas de rouge,
Ouais, j'en ai acheté 3 bouteilles d'ailleurs. Nico, il a craqué. Je sais pas comment on va faire pour ramener ça dans l'avion. Nous voilà rentrés à l'hôtel. Donc on est à l'hôtel Le Savigny à Blas, qui est un village dans le Beaujolais qui est très mignon. Je vous montrerai l'extérieur de l'hôtel du coup demain, ce qui fait nuit, mais je vais vous faire le petit room tour habituel. La chambre est très mignonne. Donc quand on rentre sur la droite, on a un joli miroir en fer, hop, petite déco un peu industrielle, avec une jolie table de chevet et une petite lampe en fer aussi. Là, on a un petit Nikouk dans un lit avec une tête de lit genre en cuir avec un cerf comme ça en fer, tête de cerf. Là, on a un joli plaid tout doux avec des petits chiens comme ça. Et t'as vu que c'est le même chien à l'accueil? Oui. Oui, je l'ai vu. Ils ont un chien comme ça à l'accueil, un vrai chien. Oui, je l'ai vu. Tu as vu, on l'a caressé. Les rideaux, ils sont canon, je trouve. J'aime bien les couleurs de la chambre. Hop. Là, on a un petit fauteuil. On a un joli bureau avec une lampe, porte-manteau. Hop, je vais installer mon ordi. La salle de bain est très jolie aussi. Elle est très grande, je trouve. Donc là, on a un miroir. T'as vu, il y a un sèche-cheveux, c'est super pratique. Franchement, c'est bien parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas de sèche-cheveux. Là, il y a tout ce qu'il faut. Pour nettoyer tes chaussures, coton-tige, lime à ongles, disque à démaquiller. Oh, top. Savon végétal. Il y a un spa dans l'hôtel, on va en profiter demain, donc je vous montrerai ça. Il y a même un miroir grossissant pour les gens qui ne voient plus grand-chose. Chauffe-serviette et la douche, c'est ce que je préfère dans la chambre. Avec les carreaux de ciment, elle est immense. Franchement, elle est canon. Hop. Là, il y a un dressing, comme ça. Bon, là, il y a des toilettes. Et voilà, franchement elle est super grande la chambre, on va être trop bien là pendant 2 nuits. Bon, je vais vous laisser ici, je pense pas avoir vlogué énormément aujourd'hui, mais on était un peu en mode trajet aujourd'hui, on arrivait quand même tard. Donc demain il y a plein d'activités de prévues, des trucs qu'on n'a jamais fait, donc ça va être un peu je sais pas, drôle. Et on va surtout découvrir encore plus le Beaujolais. Ce qu'on en a vu aujourd'hui, c'était magnifique, les vignes comme ça, aux couleurs d'automne, coucher de soleil et tout, sublime. Donc franchement, c'était vraiment cool. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner aussi à la chaîne de Nikouk. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao.